Bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Jamie Tambikafoot. Dans cette chaîne YouTube, je parle que d'actualités sportives africaines, surtout parce que je suis tellement également africain. Et dans cette vidéo, on va parler également sur Sadio Mané, on va parler également sur le transfert, de Sadio Mané entre le Bayern et l'Al Nassr. Donc il y a les secrets qui ont été cachés, qui n'ont pas été révélés sur le transfert de Sadio Mané. Et ben c'est ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment catastrophe. Mais en tout cas, dans un premier lieu, je vous conseille de vous abonner maximum, parce que ce que vous allez découvrir ici dans cette vidéo, ça va vraiment vous éclater. Vous serez très étonné de découvrir, parce que ce sont des secrets qui sont très cachés. Et bien là, on a décidé de le révéler parce que c'est officiel, c'est vraiment officiel. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont cachées sur le transfert de Sadio Mané. Et même lui-même, Sadio Mané, il était très étonné. Alors, ben, comme si c'est normal, ben, et comme si le club aussi, et ben, il a été vraiment très catastrophe. Ils ont été très accueillants et c'est pour ça qu'il a quand même dosé, il a quand même trouvé que non, c'est quand même une meilleure idée, mais ça lui apparaît étrange, et ben là, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que c'est très important. Et la première des choses, ce que le club d'Al Nassr, c'était sur la liste, c'était non plus sur la liste de transfert de Sadio Mané, mais vraiment c'est catastrophe parce que le club avait vraiment d'accord pour que Sadio Mané puisse aller au Real de Madrid. L'accord est très bien profonde, surtout avec l'agent sportif de Sadio Mané, avec l'agent sportif du Real Madrid. Donc la négociation se portait déjà très bien, mais il était surpris de voir que voilà, le club négociait déjà avec Al Nassr comme Sadio Mané, il était déjà sous contrat. Donc il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir faire, donc il était sous ordre du club allemand. Et voilà, donc il est toujours obéir aux ordres. Et voilà, donc le club d'Arabie Saoudite a profité de l'occasion pour négocier avec le Bayern et de retirer Sadio Mané. Ben, comme si Sadio Mané il était surpris de voir que directement ce sera le club d'Arabie Saoudite Al Nassr. Et voilà, donc c'était catastrophe, il n'avait pas le choix. Et voilà, donc l'accueillant aussi était très magnifique, ils ont signé l'accord. Et voilà, en ce moment Sadio Mané prend de l'ampleur et c'est vraiment magnifique. Ça coup de chapeau, surprise, qui promouvoit, qui donne une grande surprise. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner.